Donc mon ouvrage s'appelle Fashion et cinéma. Il est édité par les éditions des Cahiers du cinéma. Et son principe, c'est de faire le portrait de 46 actrices qui sont depuis les débuts du cinéma, de Gloria Swanson à Tilda Swinton aujourd'hui, en passant par Marion Cotillard, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Louise Brooks. Enfin, il y a 46 comédiennes comme ça de cinéma qui sont traitées, et je fais leur portrait sous l'angle à la fois de leur carrière cinématographique et de leur lien à la mode, que ce soit dans les films, via les costumes ou via les couturiers, et hors des films, en fait, dans leur vie. En fait, c'est un sujet qui, paradoxalement, est très peu traité, et très peu traité en France, alors que c'est un peu étonnant. Le cinéma est né en France, la mode, on dit toujours que Paris, c'est la capitale de la mode, et que finalement, la France, c'est quand même le pays des grandes marques de luxe, des grandes marques de mode. Et bizarrement, en fait, c'est un sujet qui intéresse peu, en tous les cas, dans l'édition, il y a peu de films aussi sur le sujet, très très peu. Ça a été d'ailleurs un casse-tête, en fait, pour la recherche bibliographique. Il y a quelques livres qui existent aux États-Unis où ils ont plus conscience de l'importance du costume. Et puis, il y a beaucoup de couturiers qui ont tenté leur chance à Hollywood, mais qui n'ont pas vraiment réussi. Par exemple, Coco Chanel, elle n'a jamais réussi vraiment à s'imposer. C'est le cas un peu emblématique. Dior a mieux réussi son coup. En fait, il a habillé quand même des actrices dans les films et hors des films. Et bizarrement, oui, c'est ça. En fait, personne n'étudie ce lien-là, ou très peu, et ça manquait, en fait. Donc voilà, c'est pour combler un gros manque, en fait, et qui mérite encore d'autres déclinaisons.